Nous sommes en 865, en Europe. Alors que les hommes du Nord commencent à coloniser les territoires voisins, l'Occident poursuit son déclin politique et militaire. Pourtant fondé par Charlemagne 65 ans plus tôt, l'Empire carolingien est un colosse au pied d'argile qui se fait envahir sur tous les fronts. À l'Est, un nouveau peuple venu d'Asie centrale, qu'on appelle les Magyars, attaque les garnisons franques. Au Sud, les pirates sarrasins sèment la terreur sur les côtes. En plus des pillages menés par les Normannies, qu'on appelle aujourd'hui Vikings, l'autorité centrale s'effondre complètement et n'a plus aucun pouvoir. Maintenant, si les descendants de Charlemagne sont si faibles, ces derniers peuvent-ils être remplacés par de grandes familles issues de l'aristocratie? Si oui, dans quelles conditions et pour quelles conséquences? Et en quoi le siège de Paris par les hommes du Nord joue-t-il un rôle d'accélérateur? Dans cette vidéo, nous tenterons de répondre à toutes ces questions pour comprendre comment est-on passé de l'Empire carolingien vers deux entités majeures de l'Europe féodale, le Saint-Empire romain germanique, entre la mer du Nord et la Campanie, ainsi que le Royaume de France, entre la Manche, le Rhône et la Méditerranée. L'occasion pour nous de remonter aux origines de la royauté française, Robert le Fort et son fils aîné, Eudes, repoussant les Vikings devant Paris. Si en plus d'aimer l'histoire, vous aimez les grosses voitures, les gros canons et les paysages post-apocalyptiques, alors venez jouer à Crossout, le seul jeu de tir en ligne avec des véhicules confectionnés par vous-même de A à Z. Le principe est le suivant, vous assemblez votre véhicule à partir de rien en piochant parmi des centaines d'armes, de blindages et d'équipements différents. Que ce soit le canon laser ou des missiles de précision, tout est bon à prendre pour aller affronter d'autres joueurs ou d'autres véhicules contrôlés par ordinateur. L'avantage du jeu, c'est que la confection dépend entièrement de votre imagination. Vous pouvez construire une grosse machine de classe Léviathan, ou bien un véhicule furtif en forme de bâton. Le jeu offre des possibilités infinies, si bien que chaque véhicule sera votre création. Avec leur éditeur intuitif, vous pourrez monter, démonter, tester, améliorer et personnaliser votre véhicule. Venez jouer à Crossout gratuitement sur PC, PlayStation ou Xbox. En cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo, vous aurez droit à un pack bonus gratuit qui inclut 3 jours d'accès premium, des équipements uniques et des peintures spéciales. L'offre est ouverte aux joueurs déjà inscrits ainsi qu'aux nouveaux joueurs. Ces derniers recevront en plus le véhicule Adventure Seeker qui sera armé, préparé et paré pour la bataille. Entre les années 860 et 910, l'Empire d'Occident connaît un bouleversement majeur. À cause des problèmes que nous avions décrits dans les 4 épisodes précédents, le pouvoir glisse peu à peu de la main des Carolingiens, c'est-à-dire les descendants de Charlemagne, vers la main de puissantes familles locales qui finiront par les remplacer. La conséquence, c'est la transition progressive entre un empire qui se veut unifié et deux entités majeures de l'Europe féodale. Mais avant de parler du Royaume de France et du Saint-Empire romain germanique, tentons de comprendre comment des souverains sacrés devant Dieu ont pu être déchus de leur trône. À l'origine de cette transition politique, on retrouve bien sûr les difficultés classiques de la royauté franque. Depuis Clovis, la tradition veut que les fils se partagent le territoire du père. Les guerres de succession sont fréquentes, ce qui permet aux hommes du Nord, aux Magyars et aux Sarrasins, de venir ravager les campagnes. C'est dans ce contexte que de grandes familles franques s'imposent comme protectrices des populations. Comme l'état central est en déliquescence, les comtes nommés par les rois et par l'empereur deviennent quasiment indépendants. Pourtant, à la base, Charlemagne avait posé deux conditions à tous les comtes. D'abord, que leur charge ne soit pas héréditaire, c'est-à-dire qu'elle ne puisse pas se transmettre de père en fils. Ensuite, que les charges ne soient pas cumulables, autrement dit, qu'un comte n'ait pas autorité sur plusieurs territoires en même temps. Ces règles simples permettaient d'éviter qu'un aristocrate devienne trop influent. L'ennui, c'est que 50 ans après la mort du fondateur, c'est exactement le contraire qui se passe. Comme ses descendants sont contestés, ces derniers doivent faire des concessions très larges à leurs puissants vassaux. Par exemple, en 877, lors d'une assemblée tenue à Quirzy, Charles Chauve doit partir en Italie pour défendre le pape. En échange du soutien des grandes familles, il signe alors un capitulaire qui reconnaît l'hérédité des charges de comte. Autrement dit, grâce au capitulaire de Quirzy, les aristocrates pourront désormais se passer leur comté de père en fils de façon officielle et parfaitement légale. Charlemagne se retournerait dans sa tombe, le système comtal qu'il avait mis en place pour contrôler l'Empire est complètement corrompu. Non seulement les charges sont héréditaires, mais en plus, les grandes familles les cumulent et se bâtissent une immense fortune.
Ainsi, à cause de l'incompétence des Carolingiens à diriger l'Empire, leurs vassaux deviennent de plus en plus puissants jusqu'à dénaturer complètement le système impérial. Ne manquerait plus que des crises de succession à répétition pour que l'aristocratie prenne le dessus. Or, à ce sujet, la dynastie de Charlemagne semble avoir perdu sa bonne étoile. D'abord, dans l'ancienne France immédiate, le premier fils de Lothaire n'a eu que des filles. Il n'a donc aucun héritier mâle, alors que son frère, Lothaire II, n'a eu qu'un seul garçon, mais celui-ci est issu d'un mariage qui s'est fait révoquer par le pape. Quand il meurt de maladie lors d'un déplacement, l'héritier est déclaré illégitime. Resterait alors Charles de Provence. Néanmoins, le cadet est mort à seulement 10 ans et n'a pas eu le temps de faire un enfant. En d'autres termes, dès 869, la lignée de Lothaire s'est complètement éteinte au hasard des événements. Ensuite, entre 875 et 882, Louis le Germanique puis ses fils Carloman et Louis III s'éteignent tour à tour sans descendance. Enfin, du côté de Charles le Chauve, quand le roi de Francie occidentale meurt en 877, une série de malheurs frappe sa famille et sa lignée finit par s'éteindre elle aussi. Son deuxième fils, Charles l'Enfant, meurt dans un accident de chasse. Son aîné, Louis II dit Lebec, est de santé fragile et rend l'âme 2 ans après. Ses petits-fils se partagent alors l'héritage, quand soudain, Louis III et Carloman II meurent tour à tour par accident. Le premier se cogne violemment la tête contre une poutre alors qu'il poursuivait une courtisane dans un jardin. Le deuxième est grièvement blessé après avoir chassé un sanglier. Leurs médecins sont impuissants, les deux jeunes fils de Louis II le Bègue disparaissent sans descendance. Arrivé en 884, le seul survivant de la lignée des Carolingiens est donc leur cousin, Charles le Gros. Celui-ci devient donc empereur et reçoit tous les royaumes pour lui tout seul. Le problème, c'est qu'à son tour, Charles le Gros n'a déclaré aucun héritier. Ainsi, pour la première fois depuis Louis Ier le Pieux, mort 44 ans plus tôt, l'Empire d'Occident n'a plus qu'un seul dirigeant. Mais comme l'empereur n'a pas d'héritier, le contexte est encore favorable aux grandes familles qui renforcent leur indépendance. Dans ce cadre, deux d'entre elles retiennent notre attention. À l'est, tout d'abord, un duc très influent établit un contrôle sur la Saxe et la Thuringe, deux régions hautement stratégiques pour la Francie orientale. Ce duc s'appelle Othon le Magnifique et il place ses fidèles au poste important du gouvernement. Il ne le sait pas encore, mais lorsque Charles le Gros rendra sa couronne, la crise de succession qui s'ensuivra va bénéficier à son fils, Henri Ier, qui deviendra roi de Francie orientale. Ses descendants seront appelés les Othoniens. Ce sont eux qui créeront le Saint-Empire romain germanique un peu plus tard. Ensuite, chez leurs voisins les Francs de l'Ouest, une famille originaire de la ville de Worms établit un contrôle sur tout le territoire situé entre la Manche et la Loire. Le fondateur de cette famille n'est autre que Robert le Fort. Celui-ci meurt en 866 lors d'une bataille contre les Bretons. Son fils, Eudes, hérite d'un nom et d'une fortune colossale. C'est lui qui deviendra roi de Francie occidentale quand Charles le Gros sera déchu. Il ne le sait pas non plus, mais c'est son petit-neveu, Hugues Capet, qui fondera un royaume franc indépendant près d'un siècle après lui. Ses descendants seront les Capétiens, et ces derniers fonderont le royaume de France. Alors, voici comment les Carolingiens se laissent déborder par de puissants aristocrates qui finiront par les remplacer. D'abord, une incapacité à se partager l'héritage de Charlemagne sans se faire la guerre. Ensuite, une crise sécuritaire aux frontières avec les Sarrasins, les Magyars et les Hommes du Nord qui terrorisent la population. Enfin, la mort précipitée des héritiers qui plonge l'Empire dans l'instabilité. Mais pour confirmer la déchéance des Carolingiens, il faudrait un dernier choc, une dernière révolution de palais pour condamner définitivement Charles le Gros. Et comme souvent, ce sont les Hommes du Nord qui vont encore jouer un rôle majeur dans l'histoire. En effet, en 885, Charles le Gros apprend qu'une expédition vise la ville de Paris, encore une fois. Pris de court, les habitants l'appellent à l'aide pour qu'il leur envoie une armée en renfort. Le problème, c'est que l'empereur est déjà débordé sur tous les fronts et qu'il ne peut rien promettre. Il ne s'en rend pas compte, mais son indécision va précipiter la chute de sa couronne et de sa dynastie avec elle. En novembre 885, dans l'Empire carolingien, les Hommes du Nord cherchent à remonter la Seine. Ils savent que leur ennemi est faible, leur expédition se produit en même temps que des raids magyars et sarrasins qui dispersent les garnisons franques aux quatre coins de l'Occident. Ce qu'ils ne savent pas, en revanche, c'est que leur attaque intervient à un moment critique de l'histoire.
Charles le Gros est très contesté par son aristocratie. De sa réaction à l'invasion normande dépend l'avenir de sa couronne. En attendant, les hommes du Nord pénètrent dans la Seine sans aucune difficulté. Comme ils ont déjà pillé de nombreuses villes de Francie, leur destination n'est ni Rouen, ni Évreux, ni Beauvais, ni Paris. Plutôt, les Normands cherchent à progresser plus à l'est, vers la Bourgogne. Là-bas, les cités d'Auxerre, de Troyes ou de Dijon regorgent de richesses. L'envahisseur voudrait y établir un camp fortifié pour passer l'hiver. De cette façon, leurs guerriers pourront commencer les opérations de pillage dès le retour du printemps et frapper en profondeur dans les campagnes. Par contre, pour réaliser cette belle ambition, leurs navires doivent forcément passer le fleuve à Paris. Le problème, c'est que depuis la dernière expédition, les murs de la future capitale ont été réparés, renforcés et agrandis pour justement soutenir un siège. Autrement dit, le chef normand, qu'on appelle Siegfried, doit faire sauter le verrou parisien par la diplomatie ou par la force. À la fin du 9e siècle, ce qu'on appelle aujourd'hui les Vikings semble avoir atteint leur apogée. Si les Danois et les Norvégiens sont déjà installés en Angleterre, ils ont également colonisé la Frise, Dorestad et l'embouchure de la Vézère. Ils contrôlent aussi les grandes îles de la mer du Nord, les Orcades, les Féroé et les Hébrides y accueillent des colons depuis le début du siècle. On trouve également des Normands sur l'île de Man, ainsi qu'à l'entrée du Pays de Galles et en Irlande. Dublin, Cork et Limerick sont d'ailleurs des comptoirs très importants. Vers les années 870, on raconte même qu'un explorateur aurait découvert l'Islande après avoir entendu des rumeurs sur son existence. La cité de Reykjavik est fondée, puis la partie sud de l'île est colonisée. Les conquérants tentent de travailler la terre, rugueuse et volcanique, dans un environnement hostile où il fait nuit pendant tout l'hiver. Pensaient-ils trouver là-haut une terre promise? Pensaient-ils que leurs efforts surhumains leur accorderaient une place auprès de leurs dieux? En tout cas, la colonie survit à ses fondateurs et commerce avec d'autres régions. Dans toute la mer du Nord, les Scandinaves établissent des routes commerciales et s'enrichissent de jour en jour. Ils vont et viennent entre l'Angleterre, la Francie, la Norvège et la mer Baltique. Ils sont de plus en plus nombreux et de plus en plus ambitieux. Pour toutes ces raisons, la flotte qui attaque Paris en novembre 885 est une véritable armada. Là où Ragnar aurait eu 120 navires en 845, Siegfried en aurait eu plus de 740 ans plus tard. Ces informations sont impossibles à vérifier, on peut donc seulement dire que l'expédition est sûrement la plus importante menée sur la Seine jusqu'à ce jour. L'envahisseur est suffisamment puissant pour passer Rouen, Pitre et Vernon sans résistance. Il arrive ainsi devant Paris environ un mois avant le début de l'hiver. Les Normands demandent alors un droit de passage en échange de leur promesse d'épargner la ville. Malheureusement pour eux, ils aperçoivent deux fortifications qui n'étaient pas présentes lors du dernier raid. En plus des murs romains autour de l'île, les Francs ont fortifié les deux ponts de bois qui permettent d'entrer dans la cité. Au nord, le Grand Châtelet est une tour de pierre entourée d'un fossé. L'ouvrage n'est pas encore terminé, mais sa capture est obligatoire pour s'emparer de la rive droite. Au sud, même chose, la passerelle est gardée par un fort appelé Petit Châtelet qui domine jalousement la rive gauche. Mais pas le choix. Si les Normands veulent vraiment remonter la Seine, ils vont devoir s'emparer d'au moins une des deux tourelles afin de détruire les ponts. Bref, la cité parisienne est un véritable verrou sur la Seine. Reste à savoir si la population a l'envie et l'énergie pour se défendre. En fait, sa survie dépend du fils de Robert le Fort, Eudes, qui est revenu en grâce quelques années plus tôt. Il a été nommé comte de Paris par l'empereur et prépare déjà les garnisons pour le siège. Dans cette tâche, il est aidé par l'évêque de la ville, Gauzelin, dont les prières aident les habitants à garder espoir. Avec ses fidèles, il en appelle aux dieux chrétiens, ainsi qu'à Saint-Germain et à Sainte-Geneviève, les patrons de la ville, pour qu'ils les assistent dans cette épreuve. Il envoie également des messages à l'empereur pour qu'il leur vienne en aide. Il sait, bien sûr, que l'Occident est déjà débordé sur tous les fronts et que les renforts mettront du temps. Mais, se dit-il avec confiance, si la cité résiste suffisamment longtemps, Charles le Gros viendra forcément à son secours. Alors, en espérant de l'aide, Eudes et Gauzelin auraient rejeté la demande de laisser passer des Normands. De l'autre côté, puisqu'il n'a plus le choix, Siegfried aurait lancé une offensive contre le Grand Châtelet le 26 novembre. L'ouvrage n'étant pas encore terminé, le chef pense peut-être que la prise de la tour serait un jeu d'enfant. Pourtant, selon les chroniques qui racontent le point de vue des chrétiens, les Francs résistent à tous les assauts et maintiennent leur ennemi en échec. Siegfried décide de mettre le feu à l'ouvrage pour faire sortir les défenseurs. Cependant, il aurait été surpris par le vent qui aurait soudainement changé de direction.
La fumée se retourne contre les assaillants. Ces derniers se retirent en urgence pour ne pas étouffer. La version historique nous dirait que les Parisiens ont eu de la chance. En revanche, le récit du Moyen-Âge est plus catégorique. Si le vent a tourné en faveur des Parisiens, c'est en fait grâce aux prières de l'évêque Gozelin qui auraient été entendues par le ciel. Dieu serait avec les Francs pour les aider à repousser les païens. Certains soldats auraient même reçu un don de surpuissance pour défendre les murs de la ville. Par exemple, on raconte qu'un abbé aurait jeté son javelot si fort que le projectile aurait embroché 7 Scandinaves en même temps. Un exploit surhumain, et sûrement inventé de toutes pièces, mais qui motive les Parisiens à prier encore plus fort. Un mois plus tard, vers le 1er janvier, Siegfried décide de repartir à l'assaut malgré le froid. Cette fois-ci, il déclenche une double offensive à la fois par la terre, contre le Grand Châtelet, et par le fleuve pour s'emparer du pont. Dans la légende, les Normands se seraient armés de béliers pour enfoncer les portes, ainsi que de manguenots, de tours de siège et de trébuchets, même si ces armes sont apparues bien plus tard dans l'histoire. Les combats seraient affreux, Francs et Scandinaves auraient croisé le fer pendant plusieurs jours, se rendant coup sur coup malgré les pertes. Eudes serait sorti de la ville pour encourager les hommes, le comte de Paris se serait mis en première ligne pour tenir le pont et la tour à n'importe quel prix. Bien sûr, impossible de prouver si cette histoire est vraie, mais quoi qu'il en soit, avec Eudes en première ligne ou derrière les murs, la pugnacité et la détermination des défenseurs ont eu raison du courage des assaillants. Siegfried se retire en comptant ses morts, les Francs exultent et remercient le ciel. Les Normands jettent alors des brûlots dans les courants pour qu'ils aillent se fracasser sur le pont, mais rien n'y fait, les défenseurs surmotivés éteignent les feux et les passerelles demeurent intactes. Après ce nouvel échec, les hommes du Nord n'attaquent plus de front. Plutôt, ils préfèrent couper les routes, assiéger la ville et la priver de nourriture jusqu'à ce que mort s'en suive. Dans un premier temps, le plan fonctionne parfaitement. Les Parisiens n'ont plus de grains et manquent de tout, la maladie se répand et l'évêque Gozelin est emporté par la fièvre. Par contre, dans un deuxième temps, les pillards commencent à s'impatienter et n'en peuvent plus de rester là sans rien faire. La cité est toujours ravitaillée par la Seine, les défenseurs souffrent mais ne cèdent pas. Au bout de 4 mois, les Normands perdent patience et s'en vont ravager les alentours. Certains se déplacent jusqu'au Mans, à près de 200 km, d'autres attaquent Évreux, Bayeux ou Melun pour ne pas repartir les mains vides. Mais naïvement, en desserrant ainsi l'étreinte sur Paris, ils donnent une occasion à Eudes de quitter discrètement la ville. Celui-ci s'en va vers Troyes pour appeler à l'aide. Il revient quelques jours plus tard avec des munitions, avec des vivres et avec des renforts, donnant encore un peu d'espoir aux habitants. Maintenant, ne reste plus qu'à convaincre l'empereur carolingien de lui venir en aide, et la victoire sera totale. Ainsi, pendant l'été 886, les nouvelles de la résistance héroïque de la ville se répandent dans tout l'Occident. Pour une fois qu'une cité tient tête aux Normands, c'est assez rare pour être noté et en faire le sujet de toutes les conversations. Cela suffira-t-il à Charles le Gros pour faire un mouvement ? Le problème, c'est que son empire est vaste et que les Francs sont nombreux. De plus, la Bourgogne est en révolte contre lui et laisser les pillards la ravager est une bonne façon de mater la rébellion. Alors, quand Charles se met en route vers Paris, ce n'est pas tant pour affronter l'envahisseur, mais plutôt pour négocier avec lui. Il arrive sur la Seine au mois de septembre, soit près de 10 mois après le début du siège, et sans tarder, il entame les discussions avec Siegfried. Le Carolingien lui propose de l'argent, un Danegeld, comme les rançons sont appelées par les Danois, et lui donne également un laissez-passer vers la Bourgogne. En échange, l'empereur demande simplement le départ des pillards au printemps. Pour Siegfried, il ne pouvait espérer mieux alors qu'il échoue depuis presque un an à prendre Paris. Par contre, si les Danois s'en vont effectivement, les Parisiens n'en croient pas leurs oreilles. Comment est-ce possible de se faire trahir ainsi ? Tous les morts et tous les sacrifices n'ont donc servi à rien. Alors que la cité a résisté sans jamais lâcher, voilà que Siegfried peut simplement la contourner et continuer sa route. Charles le Gros pensait peut-être trouver une sortie de crise en négociant avec les hommes du Nord. En fait, il vient de condamner sa dynastie à disparaître. Pendant l'automne 886, dans l'Empire d'Occident, la couronne carolingienne perd le soutien de son aristocratie une bonne fois pour toutes. Alors que Paris a tenu bon face aux hommes du Nord, l'empereur a autorisé l'envahisseur à contourner la ville pour aller piller la Bourgogne.
Une véritable trahison qui achève la réputation des descendants de Charlemagne. Lors d'une assemblée tenue près de Mayence, en novembre 887, Charles le Gros est déchu de tous ses titres. Maintenant, pour revenir à ce que nous disions en début de vidéo, par quel montage politique et religieux un souverain sacré devant Dieu peut-il être déchu? Même si Charles le Gros n'a qu'un pouvoir symbolique et qu'il n'a pas d'héritier, acter que les descendants directs de Charlemagne ne régneront plus est un véritable tour de force. Or, à ce sujet, une des failles est trouvée grâce aux accords de Coulaines que nous avions décrits lors de l'épisode 2. Souvenez-vous, en 843, Charles le Chauve avait signé un texte qui permettait aux aristocrates de se révolter contre la couronne si le gouvernement perdait la raison. Eh bien, 44 ans plus tard, ce texte devient justement l'une des bases juridiques qui permettent aux Francs de se débarrasser de Charles le Gros. Lors de l'assemblée de 887, le Carolingien est déclaré inapte à gouverner et tous ses titres lui sont confisqués. La seule question qui se pose, c'est qui choisir pour le remplacer. Entre 887 et 919, soit au cours d'un processus de 32 ans, la couronne des Francs de l'Est échoit finalement à la famille des ducs de Saxe. Henri Ier est élu roi et commence ainsi le règne des Ottoniens qui se maintiendront plus de 100 ans sur le trône. Chez leurs voisins, les Francs de l'Ouest, la déchéance de Charles le Gros conduit Eudes, le héros du siège de Paris, à monter sur le trône. Ce dernier est donc roi de Francie occidentale. Une lutte de pouvoir s'ensuivra pendant près d'un siècle pour finalement voir son petit-neveu, Hugues Capet, s'emparer définitivement de la couronne. Ainsi, avec les descendants de Robert le Fort et les descendants d'Othon le Magnifique, l'empire de Charlemagne commence une mutation irréversible. Le royaume de France remplacera bientôt la Francie occidentale. Le Saint-Empire romain germanique remplacera la Francie orientale et le royaume d'Italie. Par contre, même si de nouveaux rois montent sur les trônes, cela ne veut pas dire que les différents peuples de l'Occident sont unifiés autour de leur couronne. Au contraire, si nous avions dit que les aristocraties locales étaient de plus en plus autonomes, ce phénomène s'est encore accentué après la déchéance des Carolingiens. En conséquence, la carte que nous montrons ici a trop d'avance sur son temps. Après le siège de Paris de 885, l'Occident ressemble plutôt à ceci. Un empire morcelé, sans logique territoriale. Un empire sur le déclin, où la couronne impériale n'a plus de valeur. Pour comprendre l'unification de tous ces peuples vers le royaume de France et le Saint-Empire, il nous reste un peu de chemin à parcourir. Avant de conclure l'épisode, remercions notre sponsor du jour, Crossout, le seul jeu à l'inscription gratuite qui vous emmène dans un paysage futuriste et post-apocalyptique. Assemblez vos véhicules comme des Lego en combinant toutes sortes de matériaux possibles, emmenez-les dans des villes géantes faites de tôles et d'usines abandonnées, tout droit sorties d'un univers de Mad Max. En cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo, vous aurez droit à un pack bonus gratuit qui inclut 3 jours d'accès premium, des équipements uniques et des peintures spéciales. L'offre est ouverte aux joueurs déjà inscrits ainsi qu'aux nouveaux joueurs. Ces derniers recevront en plus le véhicule Adventure Seeker pour démarrer dans les meilleures conditions. Quant à nous, rendez-vous dans 2 semaines pour reprendre la suite de cette série. Nous aborderons le 10e siècle pour comprendre la montée en puissance des Capétiens et nous enchaînerons sur Guillaume le Conquérant. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner, et à très vite sur Bataille de France.